Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains jeunes qualifiés du parti CNDD-FDD ont effectué des activités sportives au cours de ce week-end, tout en injuriant le président du parti CNL. Le secrétaire général du parti CNL dénonce cela et trouve que cela risque de entacher la cohabitation entre les partis politiques. Et du côté du parti CNDD-FDD, on ne confirme pas que ces jeunes dont il est question ne sont pas du parti au pouvoir. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et près de 4 hectares des berges ont été emportés suite aux rivières de la rivière Lucidi et Nyamagana qui ont débordé des habitants de la colline Lucidi. Siga, commune Rugombo de la province Chibitoke, demande au gouvernement d'être délocalisé. L'administration de la province Chibitoke, de son côté, indique être au courant. Elle serait à la recherche des experts qui peuvent intervenir afin d'éviter de pareils écroulements. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Le gouvernement du Burundi prévoit une réduction des taxes sur le sucre dans le but d'encourager les importateurs de ce produit. Une mesure prise par le Conseil prise en Conseil des ministres qui a été tenue ce mercredi et dans la suite des stratégies allant dans le sens de contenir des déficits budgétaires. Une taxe sera appliquée à des produits importés tout en séparant les produits ordinaires des produits dits de luxe. Suivez à ce propos le compte rendu présenté par Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Pour l'importation, différencier les produits ordinaires des produits de luxe tels que les vins, champagne, liqueurs, l'eau minérale importée, les véhicules de luxe, etc., en vue d'appliquer une taxe considérable à ces produits de luxe. Réduire sensiblement la taxe appliquée au sucre importé afin d'encourager les importateurs de ce produit. Doubler la taxe appliquée aux véhicules de luxe en cas de deuxième importation. Reprendre dans la loi budgétaire les sanctions prévues par la loi fiscale pour les conseillers fiscaux complices dans la fraude fiscale. Lutter contre la fuite des capitaux. Revoir le code des marchés publics pour y introduire une clause exigeant aux soumissionnaires de montrer les projets qu'ils vont réaliser par l'argent gagné. Continuer à réfléchir sur de nouvelles stratégies pour augmenter les recettes. Diversifier les exportations et suivre de près leur circuit pour que le pays profite des devises qui en sont issues. Accélérer le programme de digitalisation pour connaître et contrôler le patrimoine de l'État. Les ministres doivent garantir la bonne gouvernance dans leur structure sous leur responsabilité. L'ONG Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités PARSEM salue la décision du gouvernement de revoir son budget. Dans un point de presse animé ce lundi, le directeur de la PARSEM
a indiqué que le pays se trouve dans une situation économique difficile avec des dépenses douteuses non transparentes. Il estime que le pays a besoin d'une commission des experts de haut niveau pour analyser le budget actuel, mais aussi de mettre en place une stratégie de mobilisation des financements extérieurs. Suivez-le. Si on analyse la mesure de révision, nous la saluons parce que depuis le début de l'exercice budgétaire, nous avons dit que la situation budgétaire, la structure budgétaire, surtout au niveau de recettes, laissait présager des inquiétudes. Parce que un déficit de 700 milliards qu'il fallait financer, couplé à une attente de l'appui des bailleurs de fonds de 900 milliards, alors que si on analyse même le déblocage de ces appuis des bailleurs de fonds, ne s'est pas fait selon les attentes. Ce premier trimestre de l'exercice budgétaire, nous avions constaté à l'époque qu'il y avait 1 600 milliards de recettes qui restaient encore hypothétiques au niveau de le constat est que tout ce qui est tenté fait, on t'a à éliminer l'investissement, les dépenses liées à l'investissement, alors que la dette va toujours crescendo. Même ce premier trimestre, le gouvernement a contracté des dettes de plus de 110 milliards sur le rapport de la Banque centrale, le rapport de la politique monétaire de la Banque centrale. Donc, le constat est qu'il y a toujours des dépenses douteuses, non transparentes, dont même le rendement est difficile à apprécier, à analyser. Il faut revoir tout ça. La lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, n'a pas encore sa force et sa vigueur aujourd'hui. Cela cause toujours un tort à la bonne gestion du peu de ressources budgétaires dont dispose le pays. Parsem propose qu'il y ait une commission ad hoc des experts de haut niveau pour voir réellement l'analyse du budget actuel et certaines dépenses qui ont été fixées par rapport aux politiques à l'orientation des politiques publiques. Deuxièmement, la rigueur et la discipline dans la gestion. Le gouvernement doit savoir qu'il faut une stratégie de mobilisation des ressources extérieures, financement extérieur. Détrompez-vous, je le répète, le gouvernement, la situation du Burundi est difficile. On ne pourra pas faire face à ces difficultés économiques, même si on mobilise autant que faire se peut les ressources fiscales. Les recettes fiscales sont mobilisées sont en flambeau. La transparence dans la préparation du budget de 2024-2025 pour qu'à l'horizon de moyen terme, on commence à se préparer et ne pas continuer à sombrer dans l'incertitude. Aussi, le gouvernement doit prouver sa volonté de faire une stratégie de lutte contre la corruption. Je vous le disais en titre, le Parti Sénel dénonce les activités sportives qui ont été effectuées ce dimanche au nord de la capitale économique Bujumbura par des jeunes qui qualifient du Parti CNDD-FDD. Ces derniers ont fait ces activités sportives tout en injuriant le président du parti Sénel. Le secrétaire général du parti Sénel trouve que cela risque d'entacher la cohabitation entre partis politiques. Simon Bidimongou indique que de telles activités ont visé la permanence nationale de ce parti et de demander qu'une telle situation soit évitée à tout prix. Suivez-le. Nous avons observé un comportement inhabituel. Lequel comportement a été manifesté par les jeunes du parti au pouvoir? Ils ont fait des courses à travers la capitale économique de Bujumbura. Et pendant ces courses, ils lancent des injures à certaines personnalités, à l'occurrence, l'honorable Agathon Rwasa, le président du parti Sénel. Après, ils sont allés à la permanence nationale du parti Sénel, Susan Mutanga. Arrivés là-bas, ils ont rencontré les veilleurs qui les ont empêchés d'arriver et à la permanence. Ils se sont rassemblés tout plein de la permanence. Ils ont continué à chanter, à faire ces soi-disant activités sportives. Et permettez-moi de dire que ce ne sont pas des activités sportives. Plutôt, moi, je qualifie cela des activités politiques. Pourquoi cela? Vous constaterez que pendant ces activités, ils portent une forme de parti au pouvoir. S'ils ne portaient pas l'uniforme du parti au pouvoir, vous allez rencontrer avec les drapeaux du parti au pouvoir.
Et là, il y a raison de dire que ce ne sont pas des activités sportives, parce que le sport n'a rien à voir avec la politique. Quand vous portez des uniformes d'un parti quelconque, on vous qualifie d'être en activité politique. Ces jeunes-là, alors, disent qu'ils sont en activité sportive, mais franchement parlant, ce sont des activités politiques. Ce qu'on demande, c'est quoi? D'abord à l'administration, nous demandons d'être à la hauteur de tous les partis politiques, d'éviter la politique de deux poids deux mesures, de traiter les partis politiques de la même façon. Et aux membres des partis politiques, nous demandons d'être tolérants, de se respecter mutuellement. Nous voulons un Burundi développé, nous voulons un Burundi paisible. Le président de la Ligue des jeunes, Imbonerakure, ne confirme pas que les jeunes dont il est question soient du parti au pouvoir, CNDD-FDD. Eric Nshimirimana indique que cela est difficile à identifier, mais que le ministre, plutôt que le ministère en charge des partis politiques, peut s'exprimer sur la question, puisqu'il s'agit des mésententes qui peuvent pousser les partis politiques à défendre chacun son camp. Et s'agissant des jeunes qui sont en tenue du parti, et que s'agissant que ces jeunes soient en tenue du parti CNDD-FDD, le président de la Ligue dit que de telles situations se présentent souvent et qu'avec des gens portant les insignes du parti, sans qu'ils soient de cette formation politique. Et continuons toujours par ce journal. Par la page Société, près de 4 hectares d'héberges ont été emportés suite aux rivières Rusizi et Nyamagana qui ont débordé. Les habitants de la colline Rusiga, commune Rugombo de la province Cibitoke, demandent au gouvernement d'être délocalisés. Ils expliquent que leurs maisons et champs ont été détruits par les crues de ces rivières. Saïd Anissé, conseiller du gouverneur, reconnaît les méfaits de ces rivières. Il indique que l'administration de la province Cibitoke est à la recherche des experts qui peuvent intervenir afin que les écoulements des collines surplombant les rivières Rusizi et Nyamagana soient évités. Le point avec Lydie Gahimbari. Au bord des rivières Rusizi et Nyamagana, s'observent des ravins et des restes de montagnes qui se sont écroulés. Karikuriyo Mathias, un habitant qui avait une propriété foncière sur la colline Rusiga qui surplombe la rivière Rusizi, explique que ce phénomène d'écroulement s'est observé petit à petit depuis 2001. Selon lui, cela a commencé comme une source d'eau, mais après 2 ans, il s'est observé des fissures tout près des rives de la rivière Rusizi et Nyamagana. 2 ans après encore, les berges de la rivière Rusizi ont commencé à s'écrouler à une grande échelle et voilà maintenant, on observe au grand ravin. Le même phénomène s'est également observé sur la colline Murambi, sur la rivière Nyamagana, ajoute-t-il. Le chef de cabinet au bureau de la province Cibitoke, Anissé Saïdi, dit qu'un bon nombre d'hectares, à peu près 4 hectares, sont déjà écroulés vers les rivières Rusizi et Nyamagana. Selon lui, c'est une situation inquiétante. Bon nombre d'hectares sont déjà écroulés vers la Rusizi et d'autres vers la rivière Nyamagana. Il y a même un départ non négligeable des personnes qui habitaient ici sur ces collines, mais aussi un départ de beaucoup de champs et de terres. Et nous trouvons que nous perdons beaucoup. Nous estimons du côté de la rivière Nyamagana, c'est déjà environ 2 hectares, mais aussi du côté de la rivière Rusizi, encore 2 hectares. Mais si rien n'est fait, même ces 4 hectares vont dépasser. Cette autorité indique que l'administration de la province de Cibitoke continue à chercher des experts qui peuvent appuyer afin de sauver cette situation. Nous plaidons pour que d'abord la population puisse être sauvée. Comment? C'est-à-dire qu'il faut déplacer cette population pour quitter cet endroit qui est tout à fait, qui est, si on le voit,
qui est dans un endroit qui est dangereux. À tel point que si jamais on ne fait pas attention, on va se retrouver avec un départ et des gens avec ces terres-là qui sont en train de s'écouler. Selon les habitants des collines Lusiga et Nyamagana, la plantation des arbres sur les rives de la rivière Rusizi, sur les rives des rivières Rusizi et Nyamagana, pour la protection de ces rives, a été échouée. Il fallait la construction des murs de soutènement, c'est l'OE. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.